Gaza, une opération militaire qui pourrait avoir un coût humain très lourd, tant israélien que palestinien. C'est ça que vous souhaitez, vous ? Alors, je vais vous répondre. Le coût humain, on le subit parce que, justement, il n'y a pas une véritable opération d'envergure à Gaza. Mais c'est si ce que vous compte, souhaitez ? Bien sûr, c'est ce que je souhaite. Moi, je souhaite qu'il y ait une opération militaire spéciale, bien sûr, tout à fait. Parce que sinon, on ne peut pas, à un moment donné, dire qu'on est une nation forte, qu'on a la meilleure armée au Moyen-Orient, si c'est pour juste des slogans. À un moment donné, on doit être capable de faire une opération spéciale à Gaza et d'éradiquer le Hamas et le djihad islamique. Peu importe le prix, on doit être capable de protéger nos citoyens, ne plus avoir peur des condamnations internationales. Surtout, la priorité doivent être les gens, que ce soit Sderot et dans tout Israël. On ne peut pas, à un moment donné, pour des calculs et pour finalement, des fois, comme les chefs d'état-major de l'armée de Tzal qui, pour des raisons, parce que les sites de lancement de roquettes, par exemple, à Gaza étaient dans des zones civiles, préféraient finalement ne pas intervenir. Mais après, au final, c'est au prix de qui ? Protéger les civils aussi. Oui, mais c'est au final, après, c'est sur notre dos à nous, puisque c'est les roquettes, nous, chez nous, il n'y a pas de calcul. Elles s'abattent dans des. Et on est allé ici dans ce même studio. Et on a entendu le témoignage des habitants de Sderot. Moi, j'habite à Ashkelon, Benjamin, je peux en parler, parce que j'étais souvent me réfugier avec ma femme et ma fille dans les abris. Donc à un moment donné, on ne peut pas. Moi franchement, si j'ai un choix à faire face aux terroristes, moi, je me fiche éperdument que si un site de lancement de roquettes qui se trouve dans une zone, et malheureusement, je ne souhaite pas, moi, au départ, qu'il y ait la mort des civils, mais si c'est entre le choix entre notre peuple et à un moment donné, des gens qui se servent de boucliers humains pour nous tuer, non, il faut agir quand même. C'est malheureux, mais c'est comme ça.